Volodymyr Zelensky s'attaque à l'église orthodoxe ukrainienne soupçonnée d'accointance avec la Russie. Avant votre éclairage, on écoute. Donc tout d'abord, le Conseil de sécurité nationale et de défense a chargé le gouvernement de proposer au Parlement un projet de loi pour rendre impossibles les activités en Ukraine des organisations religieuses affiliées au centre d'influence au sein de la Fédération de Russie. Slimane, quelle est la portée de cette mesure et qu'est-il décidé au fond ? Alors, dans l'esprit du président Zelensky, il s'agit d'un acte, je le cite, d'indépendance spirituelle. Et ce discours que nous venons de voir a été prononcé le 1er décembre, c'est-à-dire le jour du 31e anniversaire du référendum qui a scellé, consacré l'indépendance de l'Ukraine par rapport à la Russie. Et donc, c'est un anniversaire pour l'indépendance politique et maintenant, en mettant à l'index l'Église orthodoxe affiliée à Moscou, il scelle la consécration de l'indépendance spirituelle. En fait, que se passe-t-il sur le paysage religieux ? Car la guerre n'est pas seulement sur les fronts et avec des missiles, elle est aussi culturelle. Les Ukrainiens dérussisent, il y a une dérussification des baptisations de noms russes de toutes les rues, les avenues, les places, démantèlement de statues qui rappellent l'époque soviétique. Donc c'est une entreprise culturelle qui est quotidienne. Et là, elle s'attaque à l'aspect spirituel. Pourquoi ? Parce que l'Église, il y a maintenant deux églises orthodoxes en Ukraine. Il y en avait une jusqu'en 2019. Qu'est-ce qui se passe en 2019 ? Une grosse partie de l'Église ukrainienne, la plus nombreuse, dénonce son lien spirituel avec le patriarcat de Moscou, qui est un lien séculaire, pour se rattacher au patriarcat de Constantinople, donc à Istanbul. Et l'autre partie est restée fidèle à Moscou tout en dénonçant la guerre. Et c'est à cette partie-là que s'adresse l'avertissement de Vladimir Zelensky. Il leur dit « Choisissez votre camp, sinon vous serez considérés comme des agents de l'étranger et traités comme tels. » Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin de la Chine qui a rendu hommage hier à l'ancien président Jiang Zemin, mort la semaine dernière, enterré avant-hier. On guettait évidemment le discours de Xi Jinping, on n'a pas été déçus. Hein. Oui, les sirènes ont retenti, chacun s'est figé, les passants, mais aussi les jeux vidéo en ligne. Pendant 3 minutes, tous les cours ont été suspendus à la bourse de Shanghai, de Shenzhen, de Hong Kong. Et c'est la moindre des choses parce que Jiang Zemin est l'homme qui a dit aux Chinois « Enrichissez-vous, c'est lui qui a ouvert la porte du parti aux entrepreneurs, qui a négocié l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce et qui a hissé un pays en développement au rang des grandes puissances. Mais ce n'est pas du tout ce qu'a retenu Xi Jinping quand il lui a rendu hommage. Alors justement, on guettait le discours du président, qu'a-t-il dit ? C'est le premier véritable événement depuis son sacre impérial, fin octobre. La cour était réunie, des milliers de nomenclaturistes masqués. Il y en a même qui portaient deux masques, des courtisans, sans aucun doute. L'empereur a salué en Hu Jintao un leader éminent. Alors c'est bien leader éminent, mais c'est bien peu comparé à la propre gloire de Xi Jinping, dont la pensée est désormais une matière au programme de tous les écoliers chinois. Il n'a pas dit un mot du soutien que lui avait apporté Hu Jintao pour accéder au pouvoir, la solidarité entre deux fils de prince, de prince rouge. Rien sur la personnalité du crapaud, le seul président chinois qui parlait russe et anglais, le seul qu'on ait entendu chanter Elvis Presley et qui a donné une interview, une vraie interview à une chaîne de télé américaine.
Xi a surtout retenu que son prédécesseur s'est résolument opposé aux graves troubles politiques qui se sont produits dans le pays au tournant du printemps et de l'été 89. Alors, il parlait en creux de la répression du printemps de Pékin, la tuerie de la place Tiananmen. Hein. Alors, Jiang Zemin était féroce, notamment contre la secte Falun Gong, mais au moment de Tiananmen, il s'occupe d'économie. C'est Deng Xiaoping qui écrase la contestation et qu'il nomme ensuite pour réparer les pots cassés. Jiang Zemin se tient d'ailleurs à mi-distance des partisans du bain de sang et des réformistes, et malgré les sanctions occidentales, il va assurer la transition d'une société traumatisée vers la croissance, la confiance, etc. Alors c'était pas facile parce que les entreprises d'État ont liquidé alors des dizaines de millions d'emplois, mais l'intégration au monde capitaliste a fini par apporter la prospérité. Xi Jinping en fait réécrit l'histoire. Alors les pourquoi ? Parce que les Chinois sont épuisés par la politique zéro Covid, tentés de se rebeller alors que l'épidémie rebondit, la chute de l'immobilier et la baisse de la consommation va encore aggraver le recul de l'économie, et face à tous ces défis, eh bien Xi fait exactement le contraire de l'homme qu'il vient d'enterrer. Il a appelé hier le parti à avancer main dans la main avec les forces progressistes du monde entier. Jiang Zemin lui avait choisi le partenariat avec les Occidentaux. Xi referme l'étau idéologique sur la Chine. Jiang Zemin l'avait ouvert sur la mondialisation. Solzhenitsyn disait « Les communistes ne sont capables d'aimer que les morts. En Chine, c'est bien pire, ils n'hésitent pas à les violer. » La Chine part à la chasse au pétrole. Oui, le président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite aujourd'hui, visite de 3 jours, la première depuis 2016 à Riyad. C'est clairement le signe d'un rapprochement entre le régime communiste et les pétro-monarchies du Golfe. Pour la presse officielle chinoise, c'est même le voyage le plus important du président Xi Jinping cette année. Alors évidemment, on va parler pétrole. La Chine est le plus gros consommateur du monde et l'Arabie Saoudite le premier producteur. La Chine achète le quart des exportations de pétrole saoudien. Mais cette visite officielle du président chinois est aussi politique. Elle intervient juste après celle de Joe Biden et d'Emmanuel Macron. Mais cette fois, aucun risque d'aborder les dossiers qui fâchent. Écoutez, Grim Smith, il est spécialiste de la Chine à l'Université du Pacifique. Pour les Saoudiens, bien sûr, il n'y a aucun risque que Xi Jinping aborde la question du journaliste assassiné ou sur ce qu'ils font au Yémen. Et de l'autre côté, aucun risque pour le président chinois qu'on lui parle des minorités ouïghours, de Hong Kong et de Taïwan. C'est aussi le choix pour Riyad d'un contrepoids à l'influence américaine dans la région. La Chine participe au développement du programme militaire saoudien. Les ventes d'armement chinois au royaume ont augmenté de près de 400% ces 5 dernières années. Oui, effectivement, rien n'est joué ici au moment où nous parlons. C'est bel et bien cette journée du 6 décembre qui va départager Raphaël Warnock et Herschel Walker, deux Afro-Américains, l'un démocrate, l'autre républicain, bien entendu, l'un soutenu par Joe Biden et Barack Obama, l'autre désigné par Donald Trump. Et si les deux candidats appartiennent à la minorité afro-américaine, cela nous rappelle à quel point le vote noir compte ici en Géorgie. Les deux hommes ont des atouts. Walker, le républicain, peut compter sur les conservateurs de l'État. Cet État de Géorgie, devenu l'État clé par excellence au gré des derniers scrutins, on l'a vu, et que l'histoire relie évidemment au passé conservateur du Sud américain. C'est cette carte qu'Herschel Walker et Donald Trump ont tenté de jouer durant toute la campagne. Et quand on échange avec les électeurs, comme je l'ai fait il y a quelques minutes au sortir des bureaux de vote, on rencontre des républicains qui ont bien compris que le candidat de Trump n'était pas un modèle de vertu, mais que dès lors qu'il s'engage à porter quelques grands dossiers conservateurs, comme la lutte contre le droit à l'avortement, par exemple, peu importe les maîtresses du candidat, peu importe ses enfants illégitimes, il aura le vote conservateur comme Donald Trump en son temps. Il y a cependant un bémol à mettre à tout cela. Le candidat démocrate Raphaël Warnock est pasteur, et même s'il affiche une posture beaucoup plus progressiste, évidemment, il risque de rafler une part significative du vote chrétien, ici, en Géorgie. Encore une tendance très présente lorsqu'on échange avec les électeurs à la sortie des bureaux de vote. Et enfin, bien sûr, il y a l'enjeu national, cette majorité du Sénat, mais je dirais qu'ici, sur le terrain, ceux qui se sont déplacés pour voter votent d'abord pour un élu de proximité, bien plus que pour les intrigues de Washington. Région stratégique entre la Turquie et l'Europe, lieu de passage terrestre des migrants. Au menu donc, les contrôles aux frontières et les accords commerciaux entre nos deux régions. Alexis de la Fontaine, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Albanie. L'Europe et les Balkans ont donc trouvé un terrain d'entente hier.
Oui, avec un défi majeur, celui de l'immigration. Les Balkans accueillent 3 fois plus de migrants que l'année dernière. En réponse, l'agence Frontex devrait pouvoir opérer à l'intérieur des pays. Les Balkans s'engagent également à aligner leur système d'attribution des visas sur celui de l'Europe. Des mesures nécessaires pour diminuer la pression migratoire, confie un conseiller. En échange, l'Union européenne est très généreuse avec la région. 1 milliard d'euros sera distribué aux ménages pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie, annonce Emmanuel Macron. Pour la sécurité, la France a promis une aide spéciale contre les cyberattaques et un système de lutte contre les ingérences étrangères. Enfin, sur le volet éducatif, l'Europe va ouvrir son programme Erasmus aux 6 pays des Balkans, avec la volonté de retirer la mainmise de Moscou sur la région. Bonjour Michel Rivasi. Bonjour. Vous êtes députée européenne, je rappelle, ELV, Europe et l'écologie des Verts au Parlement européen. Alors dites-moi, d'abord, on va parler de beaucoup de choses, mais pourquoi, à votre avis, Monsieur Bourla, le PDG de Pfizer, refuse de vous voir? Qu'est-ce qu'il a contre vous? Je ne parle pas de vous personnellement, mais le Parlement européen, la commission Covid, il paraît que ça fait 2 fois qu'on le convoque, et qu'on le convoque, on lui demande poliment et gentiment de venir, et il refuse. Mais pourquoi? Il n'y a pas de problème entre eux? Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Mais parce qu'il ne veut pas répondre aux questions des députés européens. Dans le cas de la commission spéciale sur le Covid, on avait plein de questions à lui poser sur ces fameux SMS que oui. Soit lui a envoyé, soit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lui a envoyé. Oui. Parce que vous savez que maintenant, on a les preuves comme quoi on n'a pas les documents intermédiaires qui montrent que ça a respecté les différents échelons qui avaient été établis par la règle européenne. D'accord. Il y avait un comité de pilotage qui devait fixer les prix, les conditions de livraison, les responsabilités en cas d'effet secondaire. Eh bien ça, la Cour des comptes européenne n'a pas trouvé trace. Ah, ça n'a pas été fait. On pense que ça n'a pas été fait, alors. Il y a la preuve. Ah ben, ça a été dans le rapport de la Cour des comptes européenne qui D'accord. a dit qu'on n'a pas eu accès au troisième contrat, qui est le plus important, puisque oui. il est touché 1,8 milliard de doses. Et il y en avait pour au-delà de 35 milliards d'euros. Donc, c'était le plus gros contrat. Oui. Et bien, sur ce plus gros contrat, on n'a pas tous les échelons qui ont été respectés. La médiatrice européenne l'avait dit également, oui. Et ça a été confirmé par la Cour des comptes. Et alors, donc, maintenant, oui. Oui. On a un deuxième sujet, c'est son mari, Eiko von der Leyen. Oui, le mari d'Ursula, oui. Et qui, alors ça c'est grâce aux journalistes italiens et allemands, qui ont montré que son mari a une boîte aux États-Unis qui s'appelle Orgenesis. Et cette boîte, elle est très réputée pour tout ce qui touche à la thérapie cellulaire et génétique et pour la fabrication des ARN messagers. Ouais, bon. Ouais. Donc c'est très en lien avec le Covid d'ailleurs. Hein. Certes, certes. Là-dessus, on apprend quoi? On apprend que en mars 2021, il avait fondé une filiale en Italie. Mmh. Alors l'Italie, pourquoi c'est important? Parce que l'Italie est un des pays qui reçoit énormément d'argent du plan de relance européen. Mmh, ils sont entre 120 et 150 milliards d'euros qui reçoivent, vous savez, ce plan d'urgence suite au Covid, qui était autour de 800 milliards d'euros. Eh bien, l'Italie reçoit beaucoup. D'accord. Et alors, il s'est mis dans un consortium où il y a cette filiale d'Orgenesis. Oui, filiale américaine, oui. Qu'il a installé à Udine, en Italie. Ah oui. Et il s'est mis dans un consortium qui a été établi par les Italiens. Vous avez 49 boîtes publiques. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'universités, plus aussi des boîtes privées. Alors, vous avez Orgenesis. Mais vous avez aussi Sanofi, vous avez BioNTech, et ils touchent de l'argent européen pour qu'il y ait une valeur ajoutée sur la fabrication de l'ARN messager. Bon. Et ouais. il était responsable de la direction de surveillance. Monsieur Hugo, Monsieur von der Leyen, oui. Quand c'est sorti dans la presse, il a démissionné de son poste
au niveau de ce comité de surveillance. Parce que ce comité de surveillance, vous voyez, il était à la fois, il prenait les orientations et il touchait de l'argent, donc des fonds européens. D'accord. Et puis après, on apprend par les Allemands qu'il avait fait la même chose en Grèce. Et en Grèce, il a touché quand même 32 millions d'euros. Hein. Pas mal. Sur une co-entreprise d'Organesis qu'il a créée et qui s'appelle Terracell. Il a fait la même chose aussi aux Pays-Bas. Mmh. Et aux Pays-Bas, il a touché du gouvernement des Pays-Bas 1,2 million d'euros. Toujours lui, toujours la compagnie, la boîte de M. von der Leyen, ça, dont vous parlez. Ouais. Mmh. Et puis aussi en Allemagne, donc il y a 4 filiales. Et là, il est directeur général de la filiale allemande d'Organesis. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai su tout ça, j'ai posé la question à des experts qui étaient auditionnés dans le cadre de la commission spéciale du Covid. Et je leur ai dit, mais c'est quoi ça? C'est pas possible que son mari, vous voyez, utilise des fonds européens à destination du privé, alors que ces fonds européens, c'est dans le cadre du plan de relance. Et en plus, c'est le mari de Graham, de la présidente de la Commission européenne. Oui, comme par hasard. Qui a passé des SMS avec le directeur de Pfizer. Mmh. Et la Commission m'a répondu. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'elle m'a répondu. Oui, dites-nous, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Le fait que le mari d'une haute responsable européenne reçoive un financement européen et national, puisqu'on a vu qu'il avait reçu des fonds du gouvernement grec et des Pays-Bas. Oui, d'accord. Non, pratiquement aucun conflit d'intérêt. Ah ben ça, attendez, répétez-moi ça, Michel Rivasi, ça vaut le coup. Vous dites que le fait que le mari de la présidente de la Commission européenne reçoit des fonds européens à titre de ses boîtes privées ne présente aucun conflit d'intérêt, c'est ça qu'ils disent? Alors, ils disent, n'entraîne pratiquement aucun conflit d'intérêt. Ah, mais pratiquement. Tout est dans le pratiquement. Ouais. Allez, pas mal. Alors, c'est beau, ça. Mais... Donc, j'ai interrogé les experts qui avaient été invités par la commission Covid et eux, ils me disent, pour nous, c'est un conflit d'intérêts parce qu'il y a eu les problèmes des SMS où maintenant on a confirmation qu'il n'y a pas de document intermédiaire. Là, on voit que son mari, qui est au courant de ces plans de relance, établit des filiales qui sont en fait des boîtes postales. Vous voyez, c'est... Ce n'est pas des entreprises qui sont installées en Italie, aux Pays-Bas ou... Ce sont des boîtes postales. C'est carrément des boîtes postales. Et donc, pour moi, c'est du détournement d'argent public. Oui, c'est, en tout cas, c'est étonnant. Oui. Ouais. Qui fabrique des ARN messagers, elle est aux États-Unis. Ouais. Et donc, je saisis la commission, je vais saisir l'ombudsman, et parce que pour moi, c'est complètement anormal. Que le mari de Ursula von der Leyen utilise de l'argent européen. Alors Michel Rivasi, est-ce que vous croyez que ça peut avoir joué tout ceci, ce pratiquement conflit d'intérêts, j'adore le mot pratiquement, est-ce que ça a joué dans le fait que Monsieur Bourla ne soit pas très enthousiaste à l'idée de venir parler à la commission Covid du Parlement européen? Ah ben je pense que oui, ça lui déplaît. Et puis vous voyez qu'il y a une notion d'élite. Vous avez la présidente de la Commission européenne qui est très proche de M. Bourla. On l'a vu à plusieurs reprises remettre un prix à M. Bourla. Oui. Son mari doit être très proche de M. Bourla puisque lui-même fabrique des ARN messagers. Mmh. Et donc tout ce petit monde se protège et ne veut pas rendre des comptes au niveau du Parlement européen. De l'affaire dite des écoutes, on a enfin entendu la voix de Paul Bismuth, alias Nicolas Sarkozy. C'est le nom de cette ligne téléphonique utilisée par l'ancien président pour s'entretenir avec son avocat maître Thierry Herzog, lui aussi prévenu dans cette affaire. Conversation secrète diffusée pour la première fois à l'audience. David Montagnier. C'est un Nicolas Sarkozy inquiet que l'on entend. L'ancien chef de l'État cherche à obtenir des informations sur l'avancement du dossier Bettencourt devant la Cour de cassation. Ça veut dire quoi sur la décision? D'après toi, c'est bon signe ou pas? L'ancien chef de l'État presse son avocat de questions pour être rassuré. C'est un magistrat, Gilbert Azibert, un vieil ami de Thierry Herzog, qui est chargé de cette mission. Seulement voilà, le haut fonctionnaire vise un poste honorifique à Monaco. Dès le 5 février 2014, l'avocat fait part à Nicolas Sarkozy du vœu de Gilbert Azibert. Il revient à la charge le 23 février.
Tu as parlé de notre ami pour Monaco. Bien sûr, répète trois fois Nicolas Sarkozy. Je vais faire la démarche auprès du ministre d'État que je vois demain, ajoute l'ancien président. Finalement, il ne donnera pas de coup de pouce au magistrat. Je ne lui ai pas parlé de Gilbert. Ça m'embête un peu, avoue le chef de l'État. Un revirement qui intrigue l'accusation. Les propos ont été captés cette fois-ci sur la ligne officielle de Nicolas Sarkozy, avec un ton théâtral qui fait dire au parquet qu'il savait que la ligne secrète était elle aussi sur écoute. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour, bonjour. Alors Michel Maffezoli, il dit qu'il observe la société, et il l'observe et il en tire, non seulement la suite scientifique moelle, mais justement des analyses qui se sont révélées prémonitoire, beaucoup d'entre elles. Alors, vous republiez un livre remarquable que j'avais lu en temps, La l'ombre de Dionysos. Mais alors, est-ce qu'on est encore dans cet balancement, cette oscillation entre Dionysos, le plaisir qu'on essaie de restreindre, vous dites vous-même, la joie, la jouissance, etc. Et l'autre côté, le soulèvement, où est-ce que l'un prépare l'autre ou l'un masque l'autre? Il y a, de mon point de vue, une vraie relation de l'un à l'autre. Mais permettez-moi, avant de vous répondre, puisque vous rappelez que j'aime beaucoup le latin, et en pensant à cette dame qui vient de parler, que vous disiez supprimer les colloques. Hein. Oui. Colloquium, ça veut dire s'embrasser. symposium, les symposiums, c'est boire du vin ensemble, en grec. Là. Voilà. Boire du vin ensemble. Boire du vin ensemble, symposium. Ah, magnifique. Et ouais. Congrès, congressus in hetero. Je ne traduirai pas, mais dans le fond, à l'origine. Nous croyons subodorer. Bon, voilà. Non, alors, il ne faut pas supprimer tout ça, vous comprenez, puisque bien c'est sûr. Là, justement, mais on se faisait d'accord. Des formes d'effervescence à l'époque. Ouais. Et alors, par rapport à maintenant à votre question exactement, oui, moi je considère, pour dire un auteur que j'aimais beaucoup en son temps, quand j'étais jeune, Guy Debord, il faut rappeler des banalités de base. Hein, voilà. Et là, la banalité de base, c'est que d'une certaine manière, il y a une vraie déconnexion entre, je dirais, le pouvoir établi et la puissance populaire. Et en la matière, la puissance, le pouvoir établi continue à rester sur les grandes valeurs de travail, d'individualisme, de rationalisme. Alors que de mon point de vue, ce qui est justement le propre même de ces soulèvements en gestation, ben c'est le fait qu'il y a retour, de mon point de vue, de la figure dionysiaque. Bon, mais écoutez, aujourd'hui, Michel Maffezoli, enfin, vous le voyez comme moi, on assiste quand même à un peuple, vous dites, oui, le pouvoir, mais le peuple, on dirait comme ça, tout se passe comme si c'était eux aussi étaient aseptisés, le peuple était passif, était résigné. Oui, de temps en temps, il y a quelques petites flambées, quelques manifestations, mais on sent une espèce de passivité, de résignation, cynique ou pas. Et puis d'un autre côté, vous parlez de Dionysos, mais alors le woke, la cancel culture, tous les interdits, le gouvernement par la peur, le management par la peur, c'est pas très dionysiaque tout ça. Ouais, on verra ça. Invitez-moi en janvier. Je sors un livre qui s'appelle Le temps des peurs. Ah ben, un chapitre sur le wokisme et un chapitre sur le complotisme. Ça s'appelle Le temps des peurs. Le temps des peurs. Oui. Mais chez Surf, il va paraître. Voilà, on est dedans. On est dedans en plein, oui. De fait, il y a cette stratégie de la peur. Oui, c'est évident, on va pas le dire. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Oui, j'ai tendance à dire aussi le peuple se tait. Hein, on le voit. Bon. Ouais. Moi, mon mécanisme, j'ai hérité ça d'un sociologue américain, peu importe, qui parle d'un processus de saturation. Mmh. Pour montrer quand il y a une saturation, jusqu'au dernier moment, on ne voit pas cette saturation. L'image qu'il donne, hein, c'est le verre d'eau que je sale ou que je sucre. Mmh. C'est que le dernier grain qui fait que tout d'un coup, on se rend compte que l'eau est saturée. C'est mon hypothèse. C'est-à-dire d'accord. Que de fait, il y a... Il y a un niveau de saturation, voilà. À un moment donné. Ouais. Voilà. Où tout d'un coup, c'est un petit truc de rien du tout. Hein, ouais, le dernier grain de sel qui fait que le verre d'eau est saturé. Et on a quand même des indices, excusez-moi. Bien sûr, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les convois de la liberté. Il y a ce dont personne ne parle, ces jeunes qui se retrouvent chaque une dizaine de rassemblements musicaux qu'on appelle musique illégale. Mais les rave parties et compagnie. Ils veulent se toucher, être ensemble. C'est plus la muselière qui est importante, c'est plus les gestes barrières. Et ça, pour moi, ce sont des formes de soulèvement. Un autre, beaucoup plus doux, si on peut dire, hein, le processus d'abstentionnisme. Et là-dessus,
une forme de soulèvement. Quand on sait qu'il y a 50% ou 53%, enfin je sais plus les chiffres, moi je suis pas un amoureux des chiffres, mais et 84% des jeunes générations qui ne votent pas, c'est une forme de soulèvement, ça. On ne parle jamais des non-inscrits sur les listes électorales, vous voyez. Additionnons l'abstention, les non-inscrits, vote blanc, vote nul, etc. Un élu actuellement représente, dit-on, 10 à 12% de la population. Ce n'est plus de la représentation, et pour moi c'est une forme de soulèvement. Vous voyez, le soulèvement c'est à la fois quelque chose qui peut être brutal, ou quelque chose qui peut être doux. Nous parlions hors antenne, et je vous ai parlé de pouvoir d'achat, parce qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, et vous dites... Pardon, ça ne me paraît pas le mot le plus important aujourd'hui. Mon point de vue, il y a le retour d'une, disons le mot presque, d'une espèce de spiritualité qui grouille, qui s'est... Alors vous le sentez à quoi? Alors tout simplement, je disais que quand on regarde les réseaux internet, moi ça me paraît important, les mots qui apparaissent, c'est solidarité, générosité, partage, entraide, etc. Ouais, qui sont des mots archaïques, stricto, quand je dis archaïque, c'est-à-dire anciens, fondamentaux, pour moi c'est ça, arché en grec, hein, et qui trouvent l'aide du développement technologique. Alors les réseaux en sont une expression. Mais moi je vois dans mon petit village des Cévennes, mon petit village perdu dans les montagnes, à Grèce-Sac, eh bien quand j'entends telle voisine qui dit « je n'ai pas à manger », l'autre voisine lui dit « viens manger à la maison ». Enfin, je veux dire, il y a des formes d'entraide comme ça qui sont quotidiennes. C'est vrai. Alors, est-ce que ce n'est pas vrai pour les petits villages? Est-ce que c'est vrai pour les grandes villes? Ça, bon, moi, je suis là-dessus, je n'ai pas fait d'enquête, donc je ne pourrais pas vous le dire. J'aime parler de ce que je connais, hein, ou de ce que je peux observer. Alors, moi, il me paraît, d'après les explorations et ce que l'on me dit, que ces formes d'entraide sont beaucoup plus générales qu'on ne le pense et qu'on ne le dit. Et vous dites que sur les réseaux sociaux, ça se voit. Ah oui, vous les regardez. Regardez les réseaux sociaux, Internet, Twitter, les réseaux stricto sensu, ben moi je dis, c'est l'expression que j'ai employée, c'est la communion des saints post-moderne, hein, c'est-à-dire qu'il y a une communion qui se... des saints, non, c'est un vieux qu'on apprenait au catéchisme, il va être content, pour les gens... Musk. Pour les gens de mon âge, c'est-à-dire une communion, hein, c'est-à-dire il y a des relations, des liaisons qui se font, et sur des choses concrètes, d'entraide véritablement, partage de diverses manières. Alors voilà, moi je dis, soyons-y attentifs. Alors on a le discours officiel comme ça, vertical, hein, c'est-à-dire que les élites, pour moi, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est-à-dire qui n'ont plus rien à dire, hein, politique, journaliste, excusez-moi, expert de tous ordres, restent quand même sur les grands schémas qui ont été les schémas du 19e siècle. L'important, c'était le progrès, le rationalisme, l'individualisme, et donc tout cela confortait ce qui aboutit au pouvoir d'achat, c'est-à-dire purement quelque chose qui est la cagnotte, qui est l'argent que l'on a. Non, moi, il me paraît qu'il y a actuellement, Internet aidant, un réenchantement du monde. Voilà, c'est une hypothèse. Hein, moi, bien sûr, mais c'est votre hypothèse, et vous avez, au contraire, c'est très intéressant de l'entendre. En revanche, est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne, en généralisant, en disant, toutes les élites, quelles qu'elles soient, politico, médiatico, sachantes et compagnie, vous estimez vraiment qu'ils n'ont plus rien à dire? Ou qu'elles n'ont plus rien à dire. Disons que, non, j'exagère, mais un peu ce grand théoricien qu'est Raymond DeVos, quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Donc, en la matière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salivation. Non, en gros, il y a pas mal de ce que j'appelle, moi, des Niagara d'eau tiède de bons sentiments. Ça coule comme cela, etc. Alors, bien sûr, je ne peux pas, puisque vous m'invitez, je ne peux pas dire que tous les journalistes. Non, c'est pas pour ça que je vous invite, vous le savez. Et d'ailleurs, je rappellerai. Et moi, ça ne me gêne pas du tout. Il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, comme des sociologues, comme d'autres. Mais je rappellerai la phrase quand même, c'est intéressant. Vous voyez, c'est une phrase terrible de Friedrich Nietzsche, 1882. Dites-la. Oh ben non, bon. Encore un siècle des journalistes, mais les mots purons. Voilà, c'est méchant. C'est très mais méchant. Mais quelques décennies, quelques années au préalable, Nietzsche disait quelque chose de cet ordre. Il disait, il parlait de la presse en disant « vomitus matutinus ». Il a oublié qu'il y avait des journaux du soir à l'époque. Mais en même temps, heureusement, beaucoup effectivement essaient de sortir la chose. Évidemment, je suis obligé d'indiquer cela pour montrer un peu ce qui est une tendance quand même. Bien sûr. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire restent sur le schéma déphasé. Parce que la doxa, vous dites, le discours dominant, est un discours de quoi? Comment vous définiriez, justement, à l'ombre de Dionysos, et les soulèvements et la solidarité, comment vous définiriez aujourd'hui le discours dominant? Discours dominant, j'ai le tripode, moi, que je répète d'une manière lancinante aussi, dans mes livres, et quand on prend le risque de m'inviter, c'est, dans le fond, l'individualisme, rationalisme,
progressisme. Voilà le tripode à partir duquel s'est construit au 18e Descartes, 18e siècle la philosophie des Lumières, 19e siècle les grands systèmes sociaux, et puis le 20e siècle tant bien que mal à continuer cela. Et c'est ce qui sert de base au discours officiel. Alors que de fait, pour moi, dans ce qui est la sagesse populaire, dans ce qui est la vie de tous les jours, j'ai dirigé pendant longtemps un centre sur la vie quotidienne, qui était mon dada, si vous voulez, théorique, à la Sorbonne, c'est le contraire. J'avais proposé d'une manière provocante, non pas l'individu, mais le tribalisme, la communauté. C'est plus simplement le rationalisme, mais c'est l'émotionnel. C'est ça mon livre, Dionysos, Saint-Montrain, qui a, pour le meilleur et pour le pire, retour de cet émotionnel. Et puis c'est plus demain on rasera gratis, les lendemains qui chantent, le progressisme, mais présent. Ici et maintenant, cueillir aujourd'hui les roses de la vie. Même ces jeunes générations qui n'ont pas appris le latin parlent du carpe diem. Carpe diem, absolument. Il ne faut pas confondre avec la carpe farcie. Alors voyez, voilà pour moi le glissement. C'est-à-dire cette élite... Gauche et droite confondues là-dessus, soyons clairs, continue à nous seriner des valeurs sur le progrès, rationalisme, machin chose, etc., mort-moi le nœud, je dirais. Alors que, de fait, il y a quelque chose d'autre qui est en gestation, c'est-à-dire, encore une fois, dans ce... Solidarité, émotion, humanité, vous diriez. Oui, un humanisme intégral. Oui. Vous voyez, Zimmel, qui est un philosophe et sociologue qui m'a beaucoup inspiré, disait, à certains moments, quand il y a des transmutations d'époque, etc., il dit, il faut être attentif au roi clandestin de l'époque.